lancer de ce rallye ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ah bah le rallye des gazelles, je le suis depuis quelques années, d'abord à l'écologie, parce que c'est l'un des rares rallyes qui soit éco-conçu, dont l'objectif n'est pas la vitesse, mais au contraire de limiter le parcours et de limiter la consommation cette année. Donc ça fait des années qu'on se suit. Alors moi, je ne suis pas dans le dur de la mécanique, je suis la burette d'huile qui va aider à ce que le départ puisse se faire au Trocadéro, à ce que la remise des prix puisse se faire ici. Et ce que j'aime bien, alors étant sportive moi-même, ce que j'aime bien, c'est vraiment, un, l'esprit féminin, et deux, le dépassement de la limite, systématiquement le dépassement de la limite, l'exemple de tout à l'heure, à savoir, même quand on est ensablé jusqu'aux vitres, on ne s'arrête pas, on essaye jusqu'au bout de s'en sortir. Ça, c'est fondamental dans la vie de tous les jours, et je trouve que c'est pour ça que c'est un bel exemple. Vous suivez un peu le sport mécanique quand même ? Je ne suis pas tellement le sport mécanique, sauf par obligation, parce que mon mari suit le sport mécanique, comme beaucoup d'hommes. Je ne suis pas une passionnée, évidemment, des sports mécaniques. Et moi, j'aime le désert à pied ou dans des marathons. Mais ce que j'aime dans cette épreuve, c'est que c'est d'abord une épreuve de solidarité féminine et de dépassement. Merci beaucoup. Merci.